Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 11 mai 2023, 16h08 heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faites le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi. Vraiment très apprécié. Une belle journée ici, il en a fait vraiment très beau. C'est quelques jours qu'il fait beau, mais là, aujourd'hui, il fait même, on pourrait dire, chaud, 28 degrés au soleil. C'était formidablement confortable. J'en ai profité pour prendre un peu de couleur. Mais, c'est pas partout, pareil, où on a eu un mois de mai, c'est euh, coussa avril, était assez horrible, mars était été bien plus beau que, on pourrait dire, avril. Euh, pendant que Al Gore nous disait que la neige était pour disparaître euh, au milieu des années 2000, 2010, 2013, 2014, qu'il faudrait aller voir dans les albums de famille pour voir et pour montrer aux enfants ce qu'est la neige. Pendant qu'on nous prédisait une ère de glace dans les années 60, après ça, un réchauffement climatique dramatique dans les années 80, c'est pas venu non plus. On a euh, sorti et on a fait peur au monde avec le trou dans la couche de zone qui s'est refermé, qui se réouvre et qui se referme à tous les 20-25 ans, apparemment. On a appris que c'était cyclique. On a aussi euh, envoyé les pouvoirs en taille à moineaux. Euh, des pluies acides dans les années 80, même euh, Prince qui avait euh, écrit hein, un hymne aux pluies acides, Purple Rain, on était, tout, tout devait mourir, tout devait être acidifié, ce n'est pas encore arrivé non plus, les euh, côtes euh, à travers le monde devraient être inondées par la montée des eaux dramatiques, l'Antarctique aurait dû euh, avoir fondu, <laughs> la mer dans l'Arctique ne devrait plus voir de glace en été, et ainsi de suite. Il n'y a rien tout ça qui est arrivé parce qu'il y a beaucoup de frénésie, beaucoup d'hystérie. Ces gens-là d'ailleurs ont plus un agenda politique à vendre qu'autre chose. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Les changements climatiques sont réels, ont des impacts incroyables sur la vie des gens, sur l'environnement aussi, et euh, sont cycliques. Il y a une probablement implication. L'humain a un rôle à jouer là-dedans aussi, mais plus au niveau de la consommation, de la destruction de l'environnement en tant que tel, plus que le climat. Le climat est géré encore aujourd'hui par le soleil, l'inclinaison de la Terre, les cycles du soleil, les rayons cosmiques galactiques, le courant jet aussi, vraiment, euh, le tapis roulant aussi de l'océan. Ça, c'est des facteurs qui sont euh, concrets et qui déterminent quel genre de Météo, on va avoir ou de climat, mais tout ça dans des cycles. Et il ne faut pas que tu oublies des phénomènes naturels comme El Niño, La Niña, qui sont aussi cycliques et un devrait se présenter de, en 2024, El Niño, j'en ai parlé. Donc, mais naturellement, tous ces gens-là qui ont tout annoncé l'apocalypse, se font jamais demander de s'excuser, puis ils s'excuseront jamais. Al Gore est plus occupé à vendre des saucisses, Beyond Meat, rempli de gras et de sel et faire des conférences un peu partout euh, on a vu qu'il a pris beaucoup de poids hein, au Forum économique mondial donc il doit manger beaucoup de saucisses pleines de gras et de sel et ça vit toujours dans des euh, grands palais ça se promène toujours en jet privé et ça veut toujours donner des leçons de moralité et ça, ça ne changera pas non plus parce que ces gens-là ont un agenda avant cet agenda-là, c'est de nous dépouiller c'est de nous enlever ce qu'on a pour nous envoyer euh, dans une misère euh, matérielle sous le prétexte qu'on veut sauver la planète. La planète est là depuis des milliards d'années, elle n'a pas besoin d'être sauvée à ce sens, dans ce sens-là et à ce niveau-là. Ce dont elle a besoin, c'est d'être sauvée du 1% des gens qui nous gouvernent, puis qui contrôlent la planète, puis qui contrôlent et qui possèdent toutes les ressources naturelles, qui contrôlent tous les gouvernements corrompus du monde et qui exploitent toutes les populations. Bon, ça, on a besoin de sauver la planète de ce système-là. Pour ce qui est du reste, c'est cyclique. Ces la consommation, c'est un des problèmes majeurs. Pourquoi on a laissé ce 1% de cette clique Vanguard, BlackRock, les deux plus grands fonds d'investissement, les familles Rothschild, Rockefeller, puis tous ceux qui gravitent autour de ça, tous ceux qui possèdent des diamants, l'or, toutes les ressources naturelles, pourquoi on les laisse dilapider, détruire les ressources naturelles qui devraient appartenir, part, appartenir à l'humanité? Moi, ça me ferait quand l'ONU, et sous le couvert de, je ne pense, je pense, sais pas si l'UNICEF, on déclare oh, telle chose patrimoine mondial, telle chose. Tu sais, qu'est-ce qu'on devrait déclarer patrimoine mondial? Toutes les ressources naturelles et partager, mais contrôler et partager les fruits. De l'exploitation de ces ressources-là. Ça, ça devrait être. Moi, je m'en fous d'un cours d'eau puis du patrimoine national de mes deux, là. L'ONU, tu vois que c'est encore là une fraude bureaucratique comme tous les organismes. Ce sont des fraudes bureaucratiques. C'est ça la réalité. Et naturellement, tu ne peux pas parler comme ça parce que ça vient défaire l'espèce d'habitude de... qu'on a de se faire raconter toutes sortes d'histoires comme des petits bébés. Hein, les gens sont, surtout les médias, très condescendants. Ils nous, ils nous parlent comme ça une tête des enfants d'école. Et d'ailleurs, ils sont là pour rapporter les messages du gouvernement, la propagande du gouvernement, alors que ça ne devrait pas être le rôle des médias. Le rôle des médias devrait être pour bloquer la propagande des gouvernements et les mettre au pied du mur. Et les questionner, et les talonner sur des vrais sujets qui sont d'importance majeure comme ceux dont je viens de te parler. Et non pas le reste qui est une distraction. Et les médias sont remplis d'insignifiance. Et de propagande. Pendant ce temps-là, au mois de mai, il y a eu des, une tempête incroyable au Michigan. Imagine-toi, au mois de mai, alors que toute la neige devait être disparue, selon Al Gore. On a battu des records. La neige est rare en mai, mais l'État du Michigan a pris cela comme un défi, apparemment. Hein? Le, le National Weather Service euh, avait annoncé une tempête historique la semaine du 1er et du 2 mai. Bien, ils l'ont eu. Et euh, il y a des images assez spectaculaires. Je vous laisserai euh, ça dans la boîte de description. Total des chutes de neige pour le 1er mai, 19 pouces. Et euh, sur une période de deux jours, il y a eu 26 pouces de neige. Donc, quand même, euh, pour le mois de mai, c'est assez spectaculaire. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, en Australie, vous le savez, dans l'hémisphère sud, on est dans l'hiver maintenant, et l'Australie... Euh, vit de plus en plus des hivers euh, froids et enneigés et là le front froid livre de la neige et de la grêle dans les grandes prairies de l'Australie des températures records en mai ont été enregistrées dans certaines parties de la Nouvelle-Galles du Sud et du territoire de la capitale australienne les kangourous ici vous irez voir il y a <laughs> des images je vais vous laisser le lien dans votre description les kangourous sont dans la neige littéralement pendant ce temps là euh, il, ce qui se passe, hein, euh, on a une période de conditions habituellement froides, ouverte aux afflux d'air arctique, tandis qu'à l'inverse, euh, le courant jet, c'est lui qui gère tout ça, est complètement déréglé, et c'est ce qui fait que tu vas avoir des endroits où il va faire froid, d'autres endroits où il va faire plus chaud, des endroits où il va être, ça va être sec, et des endroits où ce sera plus chaud. Dans une faible activité solaire, il y a un, euh, ça a un impact aussi sur le climat de la Terre, via un certain nombre de mécanismes différents. Et le plus notable est la réduction de l'énergie entrant dans les courants jets qui ramènent le flux zonal droit standard des jets en un flux méridional faible et ondulé. Et on est dans un cycle solaire faible. Le 25e, le 24e, le 23e, 24e ont été faibles aussi. C'est ce qui a fait dire et ce qui fait dire à plusieurs qu'on est peut-être entré dans un grand minimum solaire. En période d'écoulement méridional, la météo d'une région est déterminée par le... Côté du cours d'eau sur lequel elle se trouve. S'il est situé au-dessus du cours d'eau, euh, dans le nord. Euh, dans, dans le. je ne sais pas ce qu'ils veut dire ici. nord-est, alors c'est dans une période de conditions inhabituellement froides, ouvert aux afflux d'air arctique, tandis qu'à l'inverse, si le lieu est sous le courant G, il est réglé pour des conditions anormalement chaudes sous réserve de masse d'air entraînée depuis les tropiques Un écoulement de courant jet ondulé augmente également la prévalence des oscillations entre les extrêmes, c'est-à-dire que des bouffées de chaleur intense persisteront dans une zone, tandis qu'un frisson de claquement de dents dominera à proximité. Ces zones se retourneront souvent alors d'un seul coup. Et c'est ce qui est très important de comprendre, le flux de, ces, euh, de ce courant jet. En regardant la dernière euh, euh, le, de ce qui s'est passé récemment, l'Air Arctique devrait descendre dans l'Est et le centre des États-Unis le 1er mai, puis on a vu la tempête hein, euh, au Michigan, tandis qu'à qu l'ouest, la chaleur anormale montra des, des tropiques. C'est un flux méridien en action, le coup de fouet météorologique dont parlent les, euh, les, 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 les ténors hein, euh, de la télé. Est entièrement, entièrement, entièrement naturel. Donc, je vous laisserai ça aussi. C'est très intéressant comme euh, article dans Electroverse. Ça explique bien ce qui se passe avec le courant jet dans un minimum solaire. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Je voulais vous en parler. C'est rare qu'on en parle. Il y a tellement de distractions, de propagande. C'est tellement de du n'importe quoi, l'information. Alors que ça devrait être plus vaste et plus grand et impliquer plus de recherches.